Accueillir une jeune femme qui a décidé de passer son 31 avec vous. J'espère que vous passez une bonne soirée chez vous. C'est une jeune femme pleine de talent, mais vous la connaissez évidemment, vous les avez vues dans pas mal d'émissions. On peut dire que 2003 a été une année très importante pour elle. Ça a été l'année de son premier Olympia, l'année de sa première tournée qui se terminera au Zénith de Paris le 17 janvier prochain. L'an dernier, son premier disque a reçu le World Music Award. C'est dommage que Jamel soit plus là pour traduire, mais ça veut dire que c'est elle qui a vendu le plus de disques à l'étranger, 4 millions de gourmandises. Son nouveau disque s'appelle Mes courants électriques. Elle tourne partout dans le monde entier, en Russie, en Israël, en Pologne, en Autriche, en Allemagne, au Japon, en Italie, en Angleterre, en Hollande, en préparant l'émission, elle m'a dit en Espagne également, partout, mieux que Tintin, la French Lolita enflamme les 7 à 77 ans. Voici Alizée avec un medley de ses meilleurs succès. Alizée! Retrouver l'essence, moment qui s'assolence, des défilés de toi.
Ah, Audrey. Ça va? Oui, très bien. Non, très bien. Ah, toujours bien, Alizée. Quel est ton vœu plus cher pour tes 20 ans? Pour mes 20 ans, bah, que ça soit la même année que mes 19 ans, parce que j'ai passé une année extraordinaire et j'espère que ça se passera de la même manière, mais peut-être encore mieux. Quel est le plus grand souvenir de cette année? Cette année, c'est l'Olympia, tout simplement. Mes premiers pas sur scène. Il paraît qu'Alizée au Japon, c'est l'émeute. Oui, parce qu'en fait, j'ai tourné une pub là-bas et c'est comme ça que ça a commencé, que c'est parti et que ça continue toujours. Ça a été une belle année 2003 pour toi en tout cas. On célèbre les vainqueurs de l'année dans cette soirée tous ensemble sur France 2 ce soir. On te souhaite une belle année 2004. Est-ce que tu fais des résolutions généralement quand une nouvelle année commence? Ouais, le chocolat, c'est tout. Moi, d'accord. Sinon. C'est très sage. Tu diras à ton papa et ta maman qui te regardent de Corse que tu es très sage. Non, je suis sage, ça va. Daniela, quelle est la résolution que tu vas faire pour 2004 et que tu ne tiendras pas? Je pense faire des abdos. Faire des abdos. Merci Daniela. Bonne année. Bonne année à toi, Alizée. Merci d'avoir été avec nous. 2004 sera l'année des 20 ans de notre Lolita à nous. Alors, depuis plusieurs années déjà, et je vous parle de notre prochaine invité, il en avait fait une vedette sur scène. En 2003, il en a fait une star de cinéma. Plus de 4 millions de spectateurs en sont devenus dingues. En 2004, il remontera sur scène pendant plus d'un mois à l'Olympia, comme Alizée. Chouchou est bien moins fou que nous. De lui, voici Chouchou, Gad Elmaleh, mesdames, messieurs.